Alors, quelqu'un d'autre a une bonne anecdote à nous raconter? Ouais, moi j'en ai une en fait. C'était un soir d'été, j'étais allée au Lego Store, ben voilà quoi, genre juste faire les magasins quoi. Je voulais juste voir un peu ce qu'ils vendaient comme ça. Tranquille. Ouais. Puis après, j'étais montée au deuxième étage justement. Et comme il y a la fontaine de minifigures, bah, j'y ai passé beaucoup de temps vraiment. Genre, j'étais trop à fond dedans, en train de regarder tout ce qu'il y avait et tout. Et bah, fin, finalement, c'était tellement amusant que je me suis rendu compte plus tard que c'était un peu bizarre parce qu'il y avait tout d'un coup personne. Et du coup, je suis descendue et bah, en bas aussi, il y avait personne. Genre, personne, même pas les caissiers. Ah bah, du coup, je me suis dit que c'était quand même un petit peu bizarre. Alors, je suis allée voir si je pouvais sortir. Et ben non, quelle surprise, la porte était fermée. Du coup, j'étais en train de demander à l'aide là. Et... Puis j'ai vite arrêté parce que les gens dehors m'ont pris pour une folle. Alors. Juste une petite question. Est-ce que t'as réussi à sortir après? Non, je rigole, c'est bon. Mais du coup, vraiment, t'es sorti comment? Ben, j'avais pas d'autre solution que appeler la police. 15 minutes plus tard, il y a une policière qui arrive, elle ouvre la porte d'une manière ou d'une autre. Je sors comme une bête sauvage qui était enfermée dans une cage. Et voilà! Ah, trop cool! Moi aussi, j'ai une histoire, les filles. En fait, une fois avec la famille, on a réservé un restaurant et puis finalement, on est allé dans le faux. Ah, ok! Chouette! Non, Non? non, pas drôle. Non, c'était pas intéressant!